C'est le seul de France. Je sais pas si on va pouvoir filmer à l'intérieur. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo où je vais vous présenter deux parfums. C'est rare que je vous présente des parfums quand même. Donc aujourd'hui je vais vous présenter deux parfums de chez Victoria's Secret. Et oui, j'ai pu me rendre dans la boutique de chez Victoria's Secret qui se trouve à Orly, donc en Ile-de-France. À noter qu'il y a eu pour la première fois en France le défilé du Victoria's Secret Show, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça s'est passé le 30 octobre, donc c'est bizarre parce que ça n'a pas trop filtré au niveau de la presse, au niveau de la communication, on n'en a pas énormément entendu parler. Mais c'est bien dommage parce que certainement que j'aurais été faire un tour, quoique vu que c'était l'avant-première ou la première, je crois que c'était que les grosses pointures qui étaient invitées là-bas. Voilà, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas trop filtré. En général, lorsqu'il y a une première, un show en avant-première comme ça dans un pays, très souvent Victoria's Secret annonce l'ouverture de plusieurs boutiques sur le territoire. Alors on croise les doigts pour que ça arrive enfin en France. Il serait temps. Voilà, Victoria's Secret, si vous passez par là, sachez qu'on vous attend avec impatience et que vous avez des clients à la clé. Donc à un moment donné, il faut se bouger et il faut venir en France. Merci. C'est vraiment un show qui m'a toujours attirée. Bon, un jour peut-être, hein, qui sait. Mais voilà pour la petite info. Je me suis rendue là-bas pour la première fois avec mon chéri. Donc je vous mets par ici la petite vidéo vlog que j'ai fait à ce propos, où je vous emmène sur Orly, donc sur la boutique de chez Victoria's Secret. Ne me jugez pas, ne me jugez pas. Les vlogs, c'est pas trop mon délire, c'est pas trop mon truc, je sais pas comment faire. Ça part toujours en cacahuète à l'intérieur. Voilà, j'arrive pas à finir mes phrases, mon chéri. Il me demande, non, faut expliquer aux gens. Il me demande si on va crever si on boit du jus dont la date est dépassée. Alors moi j'ai tendance à dire non, tu ne vas pas crever, tu feras caca mou. Mon chéri qui dit que des conneries, enfin bon. En cloche-pied. J'ai rajouté une difficulté. T'es con. Tu dis ça parce que tu es sûr que personne va le faire, mais s'il y a un suicide à cause de ta... Non, j'ai dit à cloche-pied. S'il y a un mec qui suicide à cause de toi, tu vas l'avoir sur la conscience, je te le dis. Ah, oui. Non, on s'en fout pas. Est-ce qu'on s'en fout? Dites-moi. Oui. J'ai enlevé mes lunettes parce que j'ai l'air de je sais pas quoi. Non, on s'en fout pas. Non, on s'en fout pas du tout. Bah oui, mais à chaque fois que je dis un truc, tu me dis on s'en fout. Non, on s'en fout pas du tout. Du coup, le vlog ne ressemble pas à grand chose, mais je me dis que peut-être que vous aimez ce genre de vidéo, donc c'est des tests, voilà, c'est des vlogs tests. Donc j'attends vos retours pour voir si je continue à en faire ou pas. Donc aujourd'hui, voici le petit haul. Je dis petit parce que je n'ai que deux produits à vous présenter. Faut savoir qu'avant de me rendre chez Victoria's Secret, j'avais regardé sur internet les offres qu'il pouvait y avoir pour le Black Friday, et en ligne il y avait beaucoup d'offres, genre 5 produits achetés, 5 produits offerts, un truc comme ça. Je me suis dit bingo, je vais faire des affaires de fou. Donc j'y allais hyper confiante et tout, et finalement arrivée dans la boutique, c'était magnifique. Franchement la boutique elle est dinguissime. D'ailleurs je vous ai fait des prises de vue puisque j'ai pu filmer dans la boutique. Moi j'aime bien faire les boutiques comme ça et vous emmener avec moi. Ça vous donne une petite idée de la tendance qui se fait en ce moment dans les magasins, et pas que la tendance qui se fait en ligne. Bref, je m'éloigne. Reviens à nous, famille. Reviens à nous. Oui, donc la boutique en elle-même était sublimissime. J'adore. Elle est faite pour moi, cette boutique. Elle est faite pour moi. Arrivée là-bas, j'étais super contente de découvrir le magasin, mais les prix étaient bien différents que ce que j'ai pu voir à l'étranger et bien différents que ce que j'ai pu voir sur le Black Friday. Du coup, voilà, j'étais un petit peu mitigée, un petit peu déçue, parce que en allant là-bas, finalement, je pensais faire des affaires. Je pensais vraiment faire le plein, faire du stock en termes de parfum, de brume, etc. Et finalement, je me suis plus ruinée qu'autre chose et je suis partie qu'avec deux parfums. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Mais quand je dis
que de parfums. Je pensais revenir avec une dizaine de parfums puisque 5 achetés, 5 offerts. Voyez le truc. Donc, faut savoir que je me suis rendue sur cette boutique en espérant acheter le parfum Tease. Donc c'est l'un de mes parfums préférés. La fragrance, je l'ai découverte quand j'ai été à New York l'année dernière au mois de mars. J'avais... On n'a rien entendu. Donc j'ai eu l'occasion là-bas d'acheter ces petites brumes. Donc pour le prix, je crois, de 8 euros l'unité, 8 dollars l'unité. Et j'ai découvert la senteur Tease, donc celle-ci. Je l'adore, j'en suis complètement dingue. Et je me suis rendue sur Orly en pensant acheter cette fragrance. Or, lorsque j'ai découvert toutes les autres fragrances, finalement je ne l'ai pas du tout prise. Donc c'est pas que je vous la conseille pas, bien au contraire, je compte me l'acheter un jour. Mais j'ai trouvé mieux, voilà, tout simplement. Aujourd'hui je vais vous présenter la fragrance Scandalous, que j'ai découvert en même temps au mois de mars, donc à New York. J'avais acheté la brume, donc je connaissais déjà l'odeur, et c'est une espèce d'odeur de vanille, bourbon, ambré, voilà, je ne saurais pas vous décrire ça autrement, mais c'est une odeur hyper féminine, hyper sensuelle. Je viens de voir que je viens de tuer ma bouteille. Non mais regardez comme elle est pleine, vous voyez quand je l'ai fait tomber là, ça fait un gros bruit. Et ben, je suis dégoûtée, la tige elle vient de péter, elle est pétée. Je suis vexée là, franchement, va falloir que je répare ça à tout prix, parce que non quoi, c'est pas possible. Bref, ça c'était avant. Vous voyez tout ce que je fais, c'est pas possible. Trouvez-moi une solution les filles, help. Dites-moi comment je peux récupérer ma fragrance à l'intérieur, c'est pas possible, je vais pas acheter ça. Je suis vexée, je suis vraiment vexée. Donc revenons à nous. Je vais essayer de garder le sourire, n'est-ce pas? Il n'y a plus grave dans la vie. Donc, vu que je connaissais déjà cette fragrance, j'ai voulu acheter le parfum naturellement. Donc, je me le suis acheté. Il se présente dans un packaging comme ça. Donc, je trouve qu'il est assez gros pour la petite bouteille qui se trouve à l'intérieur. C'est du 50 ml et vous avez cette espèce de ruban lassage au niveau du packaging. Bref, c'est que du carton, donc on s'en fout un peu. Regardez-moi juste la beauté, quoi. Truc de fou. Rien que le flacon, c'est un bijou, c'est une déco. Je suis juste dingue du flacon de parfum et dingue surtout de la poire. C'est vraiment le détail qui fait que la bouteille de parfum, elle est vraiment beaucoup plus féminine, beaucoup plus sensuelle, très femme fatale. J'adore vraiment, ça fait des années que je cherche des bouteilles de parfum ou des parfums qui me plaisent avec une poire. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le commerce il y en a très très peu. Et ben chez Victoria's Secret, ils aiment bien remettre ça au goût du jour. Enfin, ça fait un moment qu'ils travaillent la petite poire. Donc je vous disais que c'est une odeur un petit peu vanille, bourbon, ambré. Voilà, c'est une odeur un peu chaude, vraiment très féminine, très sensuelle, très... je sais pas. Désolée, voilà, pour le reste de la France, mais pour toutes celles qui habitent en Ile-de-France, vous avez l'occasion d'aller sentir cette fragrance. Et pour celles qui habitent à l'étranger, j'imagine que dans votre pays, il y a des Victoria's Secret, donc profitez-en. Et en plus, au niveau des prix, ça n'a rien à voir, parce que je commençais avec ça en début de vidéo et j'ai jamais fini ma phrase. Donc le 50 ml comme ça coûte 68 euros. 68 euros. Donc vous allez me dire, oui mais c'est le prix d'un parfum, etc. Oui, mais je me suis justement restreinte à rien acheter chez Sephora en me disant, je vais faire des économies, je vais acheter les parfums que j'aime chez Victoria's Secret. Ça sert à rien de dépenser des milliers de cents, même avec un coupon de moins 30% chez Sephora. Attends Victoria's Secret, 68 euros, aucune réduction, les boules, vraiment les boules. En plus de ça, j'ai découvert qu'il y avait le site de chez Victoria's Secret qui livre à l'international. Donc ça, je ne le savais pas avant d'y aller, n'est-ce pas? Et j'ai découvert justement pendant le Black Friday, donc après avoir acheté ça, qu'il y avait exactement cette senteur-là pour le prix de 29 euros ou 29 dollars. Enfin bref, c'est plus ou moins la même chose. Il y a 40 euros de différence, c'est juste grave. Franchement, les boules, j'ai l'impression de m'être fait avoir. Alors peut-être que sur le site, il y a des frais de port et peut-être des frais de douane, j'en sais rien. Et encore une fois, je vous attends dans les commentaires savoir si vous avez déjà commandé sur Victoria's Secret, le site. Mais 68 euros le 50 ml, j'étais un petit peu vexée d'avoir attendu de m'acheter ces parfums en pensant faire des économies.
Pour autant, c'est des senteurs que j'ai pas l'habitude de trouver ailleurs, donc je me sentais un peu obligée de la prendre. En plus, j'ai fait des kilomètres, des bouchons, tout un pataquès pour arriver au magasin Victoria's Secret, donc je voulais pas repartir sans rien. Voilà pourquoi je l'ai pris à 68 €, en sachant que le double de la quantité, donc le 100 ml, il coûtait 89 €. Donc oui, c'est plus intéressant de prendre le 100 ml, mais clairement, pour deux parfums, j'avais pas, 180 € à mettre dans deux parfums à ce moment-là. Donc j'ai préféré prendre moins et avoir plus en quantité. Voilà. J'adore vraiment aller la sentir, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Deuxième senteur, et cette fois-ci je l'ai découvert vraiment sur place puisque je ne connaissais pas du tout. Je me suis pris la fragrance intense qui se présente dans ce petit packaging. Fragrance is perfect complement to lingerie. The first to touch your skin, to last to linger. J'ai rien compris. Non mais juste le packaging. Il est pas énervé ce packaging. Je le trouve tellement beau, mais sobre, en même temps chic, classe, glamour, féminin, sexy, sensuel. Je lui trouve tous les attributs du monde, mais je crois que c'est le petit pompon qui fait tout. Autant vous dire que moi, les odeurs qui me plaisent, ce sont les odeurs fruitées, sucrées, vraiment. Et là, ça sent... Moi qui suis une vraie pour vous décrire les odeurs. Là, ça sent l'ananas sucré. Vous prenez un ananas bien juste, bien mûr, bien sucré, en bord de plage, les pieds dans le sable, en bord de mer avec un petit panier au-dessus et un petit verre de mojito, pourquoi pas. Vous prenez le fruit, vous croquez dedans à pleine bouche et vous avez l'odeur de ce parfum. Une dinguerie intersidérale. Ah, j'adore. En plus du fait que moi je les kiffe et que je les surkiffe, mon chéri en est juste dingue. Donc ça fait d'une pierre deux coups. Pareil, même prix, 68 € pour un 50 ml et 89 € pour un 100 ml. En sachant qu'il y avait des coffrets au prix du 100 ml. Je crois que la brume est censée durer 5 heures et le parfum durer 10 heures. Non, ça dure pas 10 heures, je suis désolée. Pour avoir toujours cette note de tête d'ananas sur soi, il faut vraiment le vaporiser régulièrement, je dirais, allez, toutes les 3-4 heures, quelque chose comme ça. Voilà, sinon on tombe dans la note de cœur et pour le coup, c'est beaucoup moins sucré. C'est pas désagréable, mais moins sucré. Sur ce, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des coups de cœur chez Victoria's Secret, faites-en moi part et franchement, j'irai les découvrir à la première occasion. Si ce format vidéo vous a plu, vous me le faites savoir en me faisant péter tous les petits pouces vers le haut. Ça fait toujours plaisir et ça ne fait que de m'encourager. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne ici. Si ce n'est pas encore fait, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye !